Active la cloche. J'en ai pas parlé hier, mais je sais pas si on peut acheter le pass de combat avec le code créateur. Mais le code créateur, le Foubriteur, existe toujours. Je vous rappelle qu'il y aura 1000 euros de V-Buck à gagner sur Twitter. 1000 euros. Je pense que vous pouvez mettre le code le Foubriteur pour me soutenir. Je vais faire un très gros giveaway pour ce Noël, pour vous faire plaisir. Nouvelle saison! Démarrer l'enregistrement. Eh bien, salutations, bonsoir, peuple. J'espère que vous allez bien. Je me retrouve pour faire une deuxième vidéo. Voilà, parce que j'ai fait une vidéo à l'instant par rapport au pass de combat, la saison 7, le pass de combat qu'on vient tout juste d'acheter. Si vous avez pas vu la vidéo, elle est disponible sur ma chaîne. Je l'ai tournée hier. Enfin, pour moi, j'ai tourné il y a 5 minutes, mais voilà. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Nous sommes vendredi. Et on va tester la toute première partie de Fortnite, voir un petit peu toutes les nouveautés. Donc voilà, comme vous avez pu voir, le nouveau skin, on l'a. On a toutes les nouvelles danses. Oh, je vois que c'est affiché différemment maintenant. Comment ça se fait qu'il n'y ait que les 4 premiers? Oh là là. On va lancer, on va voir qu'est-ce qui a été modifié. Je me suis pas fait spoil. On a acheté le pass et maintenant je vais découvrir la map. J'ai vu qu'il y avait l'iceberg qui avait cogné. Enfin voilà, j'avais tout été sur la dernière vidéo. N'hésitez pas à checker, je vais la mettre là-bas dans un coin là. Vous avez juste à checker si vous avez pas vu quand j'ai acheté le pass. On va juste aller dans la zone enneigée. Il me semble que c'est une neige enneigée, c'est un truc comme Paradise Palm, sauf que ça va être de la neige. Alors je sais pas à quel point c'est grand, est-ce que c'est aussi grand que Paradise, est-ce qu'il neige? Parce que c'est vrai qu'il neigeait un petit peu sur l'île de départ. Est-ce qu'il y a de la neige ou pas du tout? On va voir ça ensemble. Oh là là, j'ai hâte. For Epic Games, la hype est revenue en moi. C'est vrai qu'en ce moment, oh là là, mec, c'est full neige. Je dois être le seul à avoir tous les skins. Je suis le premier à avoir sorti la vidéo. J'ai regardé, je voulais être sûr et certain, mais je suis vraiment le premier qui a réussi à sortir la vidéo sur la nouvelle mise à jour. Enfin, la nouvelle mise à jour, le pass de combat. Alors pourquoi ça bug? Oh. Ok. Oh. Ah ouais, c'est deux fois plus grand. Ouais, mais mec, Polar, Frosty Flight, Happy Hammer. Mais comment je vais faire pour tout découvrir? Ouais, je sais pas où aller. Frosty Flight. Il y a trop de trucs. Je sais pas où. Oulala, mec. Il y a autre chose qui a été modifié. La map, j'ai l'impression, elle est un peu plus saturée. Ils ont fait en sorte que la map soit un peu plus saturée. Mec, vas-y, go. Hein. Est-ce que ça va glisser? Est-ce que ça va être comme le congeleur? Alors, évidemment, nouveau planeur, nouvelle danse, nouveau ski, nouvelle descente. C'est quoi ce énorme bloc de glace? Ouais, mec, y'a tellement. Et le petit pingouin qui est juste au-dessus de moi. Il y a des petites cordes et tout. Oh, c'est génial. C'est génial, mec. J'espère que je vais pas. Mec, je crois que je vais aller. What? What the fuck? Attends. Y'a un quad là. Ah oui, c'est vrai qu'il est rouge maintenant. On peut changer les couleurs des quads. Ce que vous avez demandé hier. Dans la vidéo d'hier, je vous ai dit à quoi ça servait ces. C'est soi-disant bandage, enfin des sortes de bandages. En fait, c'est pour changer la couleur de votre véhicule. Vous pouvez changer la couleur de vos armes aussi. Attends, ça a été modifié un petit peu graphiquement, j'ai l'impression. Ah, oh, même regardez, même mon pompe, il est tout rouge. Il est complètement rouge, mec, tout a changé. C'est quoi, on va juste explorer. J'ai pas envie de fight, mec, c'est ma toute première game. J'ai envie de découvrir la map, laissez-moi découvrir les nouveautés. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Ok, c'est un sort de. Je sais pas ce que c'est exactement. Je sais pas ce que je fais. Oh lolo, mec, avec la neige et tout, comment ça glisse. Wow. Alors, il y a des cordes tyroliennes là. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut descendre ici? Ouais, j'ai eu peur. Attends, si je fais ça, on peut. En gros, je peux. Wow. Comment je fais pour. Ah, tu mets un coup de pioche en gros. Et tu descends. Je peux sauter dans les airs? Je peux sauter dans les airs, ok. Et bien voilà à quoi se résume ma première mort sur la saison 7 de Fortnite Epic Games. Super mort sympathique. En vrai, je vais aller en terrain de jeu. Le mode créatif, on sortira la vidéo ce soir du mode créatif.
comblé, pas comblé, vas-y on va être comblé, c'est sûr, on va tomber sur des mecs super marrants. J'ai changé de skin parce que je trouve pas incroyable ce skin, je vous cache pas que je trouve pas incroyable. Je vais partir sur la petite meuf, la meuf est sympa. Putain, c'est la première fois que je trouve que les premiers skins sont plus sympas que les skins de fin. Et pour le coup, la petite meuf, je la trouve enfin l'évolution, mec, la petite combinaison et tout. En plus, j'adore les personnages vraiment ultra fins. Et le perso est ultra fin, en plus c'est y a des trucs asiatiques, enfin derrière. Elle a un bon cul là, what the fuck, elle a un de ses boules mon gars. Elle a un bon cul de ouf. Attends, c'est des poissons là dans ma pioche. C'est des poissons sur ma pioche. Où est-ce que je vais aller? On va aller. Est-ce que je retournerai pas là-bas? Non, on va aller autre part, on va aller à Tilted Tower. On va aller à Tilted et on va partir de Tilted Tower et on va découvrir un petit peu, on va faire le tour tranquillement de toutes les nouveautés. Parce que j'ai envie de voir ça avec vous. Alors évidemment je compte hein, sur le monteur qui va bosser hein. Le monteur va beaucoup charbonner avec les toutes nouvelles mises à jour, il va charbonner, je peux te dire ça Wing Chen. J'espère que tu vas faire du bon travail et que tu vas proposer des vidéos de qualité à la communauté sur YouTube pour qu'ils puissent tout simplement être au courant de toute l'actualité Wing Chen. Je m'en bats les couilles. Je compte sur toi mec. Ok. On va où? Alors attendez, parce que là du coup là c'est à moitié enneigé, là c'est ok, la moitié de Tilted est enneigé. Hello guys. Je sais pas si je parle au cas où, si peut-être qu'ils ont un microphone. Est-ce que ça a été changé? Là aussi ça a été changé, regardez, il s'est passé quelque chose à Tilted. Y'a pas... Oh y'a encore les failles. Coucou. Y'a encore les failles mec qui ont été laissées. Alors là j'ai le petit quad. Alors on va d'abord, vu que c'est la première vidéo, on va d'abord regarder les grosses nouveautés, les grosses nouvelles villes, et ensuite je regarderai le reste plus en détail. On va aller regarder les endroits qu'on connaît déjà. Oh mec, la meuf est vraiment, je pense que, je sais pas pour vous si c'est lequel, le skin que vous préférez. Bon je pense que d'ici là vous aurez le temps d'analyser un peu tous les skins. Mais là sur le moment je dirais que c'est elle qui me plaît le plus pour l'évolution, en tout cas l'évolution. Alors là y a rien de spécial, y a juste de la neige. Putain la neige n'empêche c'est bien stylé mec hein, la petite neige de Fortnite App Games. Alors c'est vrai qu'il y a la tyrolienne maintenant. On a pu voir la tyrolienne, je peux l'utiliser uniquement Alors comment faire pour l'utiliser parce que, comment j'ai fait tout à l'heure? Faut que j'appuie sur eux en gros. Je mets un coup de pioche. Oh what? Ah oui c'est vrai on est en terrain de jeu. Ah oh ouais c'est stylé mec. J'ai trouvé un bug tu vas voir. Je vais faire le premier bug de Fortnite. Ouais non pas de bug. J'ai tenté hein. Bon tant pis c'est pas grave. Go Snowbee, on va voir Snowbee Show. Mais là j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a été changé. Il y a juste de la petite neige qui... Pas de la neige qui tombe quoi. De la belle petite neige mec. Alors j'ai une petite question, vous allez me dire, j'ai fait des très très belles games sur mes lives, mais du coup c'est des games sur la saison 6, et en fait c'est des games troll, ultra marrantes. Le problème c'est que, bah voilà, c'est sur l'ancienne map, enfin l'ancienne map, voilà, y a pas la neige, y a pas les nouveautés. Est-ce que ça vous tente quand même que je vous sorte ces vidéos, parce que les vidéos sont complètement, complètement géniales. D'ailleurs samedi y a une vidéo qui va sortir, l'épisode « Je donne ma thune ». Vous savez ce fameux épisode que vous adorez, je donne ma thune, que vous demandez tant, genre c'est des vidéos qui atteignent les 600, 700 000 vues, c'est des vidéos qui plaisent. Et il y a un épisode qui va sortir justement ce samedi là, je vous attends, rendez-vous pour cet épisode. Mais est-ce que voilà, est-ce que ça vous intéresse quand même que je vous sorte des vidéos de la saison 6, parce que les games sont vraiment trolls, donc c'est vraiment des games vraiment ultra trolls. Ou vous préférez que je vous tourne que des vidéos de la saison 7? Dites-moi ça dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous préférez exactement? On va aller là où il y a l'eau. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a exactement ici. Attends, on peut explorer un petit peu. Là, il y a des gros blocs de glace. Il y a beaucoup de hauteur en fait. Enfin, il y a beaucoup de. Tout ça, ça n'existait pas là, tout ça, cette neige en mode cette glace. Enfin, à moins qu'il y avait quelque chose avant, mais je me rappelle pas. Est-ce que ça glisse? J'ai envie de savoir. Est-ce que je glisse? Non, tu glisses pas. Le truc est bien stable. Oh, c'est stylé, la couleur qui change comme ça instant. J'ai peur qu'il y ait des bugs. Attends, c'est quoi en fait? À chaque fois, il y a un petit véhicule, c'est ça à l'intérieur? C'est ça en fait. Dès qu'il y a ça, il y a forcément un petit véhicule. Putain, j'avais pas d'armes, mais en même temps, on s'en bat un petit peu les couilles. Qui va me tuer ici? Je pense pas qu'il y ait de canard pour me tuer. Go au niveau de la glace. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a au niveau de la glace. Donc ça m'intéresse. Je pense que la glace, ça va glisser. Hein. Dans la logique des choses, ça devrait glisser. Par contre, je pensais que Lucky Lake, il y aurait eu de la glace, mais au final, c'est pas du tout le cas. Alors, est-ce que ça glisse? Ah, ça glisse, ouais. Yes, ça glisse, mec. Est-ce que ça glisse là? Ah, ça glisse aussi. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais ça glisse partout. Ah oui, logique. Est-ce que je peux casser ça? Ça m'étonnerait, mais... Ah non, ça se pète pas, évidemment que ça se pète pas. Full glacé comme endroit. J'ai l'impression que... Waouh, tu vas beaucoup plus vite. C'est quoi, c'est de l'eau, ça? Non, c'est pas de l'eau. Y'a rien qui peut se casser. Mec, j'ai l'impression que tu vas... Attends, y'a une base, ici? Je vais voir. Est-ce qu'il y a une base ou quelque chose? On va péter. On va quand même checker. Oh, petit passage secret, mec.
Attends, mais c'est exactement la même chose que bah dites-moi. Ça vous fait penser à quelle ville ça? Ça vous fait penser à quelle maison de quelle ville? Il y a tout qui a été gelé. Attends. Mais en fait, elle n'existe plus cette ville. Ah oui, mais elle était complètement enneigée, mec. Putain, mais mec, même moi j'ai oublié le nom de la ville. Ouais, mec. Tout a été gelé. J'avais oublié, mais attends, il y a Flush Factory qui existe plus aussi. Flush Factory a été englouti. La ville qui est à côté de Tilton Tower a été engloutie. Shifty, ils ont pas changé. Là, la base. Ah, la base, je crois, il y est toujours. Oh, mais il y a tellement de trucs à voir. Oh lolo. Mais du coup, ouais, et tout ça, c'est intéressant. Mais j'ai même pas fait attention, je m'en suis pas rendu compte. Tout a été englouti, mec. Attends, je vais checker ici. Merde. Du coup, là, il y a la maison. Je peux aller en dessous ou pas? Je peux aller en dessous, je pense. On peut aller tout en bas? Ah non, il y a la glace, ok. Ok. Où est mon véhicule? Oh. Qu'est-ce qu'il branle, lui? Il ravage du cerveau, quoi. Hein, mec, qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, go, Polar. On va essayer de monter. On va monter tout là-haut, on va essayer de voir la vue qu'on peut avoir. On va voir s'il y a un petit bâtiment intéressant. On va prendre la tyrolienne aussi, on va descendre beaucoup plus rapidement. La tyrolienne, ça va être un truc très important en fait. Ça va être un peu la nouvelle faille. Comment il a ça? Allo man? What the fuck? I'm coming. Go. Wouah, mec. Et c'est quoi, y a un boost aussi? Putain, mec. Oh là là, mec, elle a un de ses boules, ce skin, mec. Comment elle bouge son boule, mec? Twerk. Oh lolo, mec, ça, le jeu devient moins de 18 ans. Can I drive, please? I want test. Oh, thank you. C'est qui me tire dessus? Ah ouais, ça se... Wow! Et tu peux monter à quelle vitesse? Ouais, mec, j'ai tellement du mal à contrôler le truc. What the fuck? Mec, regarde comment il est penché. Wow. What the fuck? Ça a aucun sens. Attends, je vais voir à quel... Ouh, mec. Je peux être complètement à l'envers. Attends, mais on peut tellement visiter plus facilement. Mais pourquoi quand je descends, ça me fait pivoter sur le côté? Je crois qu'il y a un problème au niveau des... Je sais pas. Ouh, mec, ça balance des accélérations. Je peux aller sur les autres îles ou pas? On dirait que je peux aller sur les autres îles. Là-bas, c'est l'île de base. Non, même pas. Même pas, mec. C'est même pas l'île de base. Attends, on peut aller là-bas? C'est même... What? Ah, ça me fait pivoter automatiquement. Ah, je peux pas aller là-bas. Ça m'interdit. Je peux pas aller. Ah non, je peux pas y aller, ok. Ils veulent pas que j'aille là-bas. Ok, c'est pas grave. Il est en train de me ping, il a envie de découvrir d'autres endroits. Attends, je vais juste découvrir cet endroit, mec. Qu'est-ce que c'est ici? Wow. Pourquoi je suis pas descendu? Ouais, mec, ça fait n'importe quoi. Attends, mais il est bloqué sur l'île là, non? Mec, je sais pas comment m'arrêter. Vue libre, quitter. Basculer, frein, accélérer, changer de place. Contrôle. Oh, c'est tellement stylé. Vite. Non! Vite, changer! Wow, mec, ça fait n'importe quoi. Bah, écoutez, visitons un petit peu. Par contre, la sensibilité. Ah, ouais, ok, ça se déplace avec la souris. Ah, ouais, la sensibilité est faible. Va falloir que vous touchez à la sensibilité, elle est vraiment super faible. En fait, c'est avec ta souris que tu te déplaces. Ah, ouais, c'est avec la souris. Attends, là, c'est des trucs panneaux. Oh! Ah! The fuck? Je peux plus bouger. Oh, ça s'est arrêté. Mec! Ok. Oh, ça a pété le truc. Wow, direct, instant. Alors là, il y avait un petit truc, je sais pas ce que c'était. On va aller à Happy. Oh, mec, c'est free exploration avec le petit avion là, je peux vous montrer tout bien comme il faut. Oh, c'est tellement génial. Oh. Je crois qu'il y a un mec et un autre véhicule.
What? Il me tire dessus? Il me tire pas dessus, mec. Attends, je peux tirer. Oh, wow, je peux tirer avec. Wow, c'est tellement fumé. Ah, par contre, la sensi est vraiment nulle. Non, 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 me tire pas dessus, me tire pas dessus, laisse-moi tranquille. Ah, mais je peux tirer à fond, avant. Ah, je peux tirer. Ah non, je peux pas tirer à volonté. Non, au bout d'un moment, ça se calme, ok. Ça se calme. Oh là là, je me demande les dégâts que ça met. Par contre, le truc il a l'air vraiment solide, hein. Ma machine se casse pas. Alors là, il y a quoi de particulier? Ici, on va checker. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là, oh là là. Là, oh, ça a changé un petit peu. Enfin, ils ont changé un peu la plateforme. Mais sinon, rien de nouveau. On va voir Happy parce que c'est un peu là-bas où il y avait Flush Factory. Flush Factory qui est la ville bah, sur laquelle j'ai tout appris, hein. C'est là-bas que j'ai commencé Fortnite. Donc, allons checker ça. Ça. Ah, mais ça, c'est pas nouveau en fait. Ça, c'est clairement pas nouveau. C'est juste des trucs qui ont été rajoutés. Ça, c'est nouveau par contre. Ok. Donc Flush Factory c'était ici. Donc là il y a plus de Flush Factory, mec, c'est une nouvelle. Laisse-moi tranquille, sérieusement. Ok, il me dirait une petite ville un peu moderne, un peu enfin moderne, plutôt ancienne. C'est à l'ancienne. Oh, c'est génial. Oh mec, je peux péter tous les arbres. Oh, par contre il me pète les couilles, sérieusement. C'est quoi cet enculé? Le mec il va me le péter sur mon véhicule. Vraiment, il y a que ça à foutre de sa vie, ce fils de. Je vais faire une accélération dans la maison, est-ce que bah, tout va péter? Voilà, ça s'est cassé. J'espère qu'il est content, cet enculé. Ah, des nouvelles constructions, nouveaux bâtiments. C'est bien ça, ça change. Parce qu'à chaque fois, il reprenait toujours les mêmes. Ah non, mais même pas, c'est les mêmes constructions que Lonely Lodge, il me semble. Parce que là, ce petit cerf là, il me parle. Hein. Hop, je l'ai tué, il est mort. Il est mort deux fois. Hein. Il est mort dans la vraie vie, il est mort une seconde fois. Il est sympa ce skin, j'aime bien, j'aime beaucoup le skin, hein. J'aime vraiment beaucoup le skin. Ah du coup il y a le planeur, mais ça vous inquiétez pas, hein, c'est dans le terrain de jeu, sinon il n'y a pas le planeur. Ouais, je pète tout là, je suis en train de tout péter. De toute façon les découvertes ou quoi, je ferai probablement une autre vidéo avec tous les coffres secrets. Là c'était juste pour vous montrer toutes les nouveautés qu'il y a eu. On a regardé tout en fait, hein. Snowmire c'est pareil, il y a de la neige. Là il n'y a rien qui a changé. Frosty j'avais déjà regardé, Polar Peak on a vu. On a vu toute la partie enneigée. Alors je sais pas s'il y a d'autres nouveautés autre part sur la map. Si c'est le cas, dites-le moi, prévenez-moi, dites-moi je sais pas, FB. Enfin j'ai vu par exemple, oh, jeu défi. Après je pense que ça c'est uniquement pour le terrain de jeu. Ça je pense c'est uniquement dans le terrain de jeu, je pense pas qu'il y ait en game classique. Mais ça c'est vraiment cool, j'apprécie énormément cette partie de map. Alors est-ce qu'ils vont garder ça à vie? Ça ils l'ont gardé pour toujours, est-ce qu'ils vont faire pareil pour ça? Ça me paraît comme assez big, assez gros. Là, la ville complètement absorbée dans la glace, c'est vraiment sympa. Mais qu'est-ce qu'il me veut, putain? C'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux? C'est ouf. Regarde, t'as pas de skin, t'as rien, j'ai une nouvelle danse. Ça on va tester, c'est quoi ça? Oh, c'est un truc que tu jettes. Ok, j'avais pas découvert ça. Et ça? Tiens, vas-y, mange ça. Cru burger. Dirt burger de 3 mètres. Bah, niveau des dents, j'ai tout montré. Y'a plus un de nouveau. Ah, j'aime bien les danses. J'aimais un peu moins au moment où j'ai acheté le pass de combat. Mais au final, je trouve que ça passe. Que ça passe plutôt bien. Eh bien écoutez, bah, on a fini, on a visité tout ce qui m'intéressait, en tout cas la nouvelle partie de la map. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire bah, dans les espaces commentaires, comme ça bah, j'irai checker ou quoi. Au niveau des coffres, passages secrets, parlez-en moi, communiquez avec moi sur Twitter, c'est le réseau sur lequel c'est le plus simple pour moi, pas par privé, pas en DM, parce qu'en message privé je suis full spam, mais par tweet, et comme ça moi derrière limite je peux reprendre vos tweets pour une prochaine vidéo et je mettrai votre tweet sur la vidéo. En tout cas, si vous avez plu, petit pouce bleu, n'hésitez pas à soutenir. Ça vous coûte rien, voilà, un petit clic, c'est rapide, c'est simple et ça permet de me soutenir moi. N'hésitez pas évidemment, j'en ai pas parlé hier, mais je sais pas si on peut acheter le pass de combat avec le code créateur. Mais le code créateur, le Foubriteur, existe toujours. Je vous rappelle qu'il y aura 1000€ de V-Bucks à gagner sur Twitter. 1000€. Je pense que vous pouvez mettre le code le Foubriteur pour me soutenir. Parce que moi je vais faire un très gros giveaway pour ce Noël, pour vous faire plaisir. Donc voilà, c'est tout. Je vous laisse. Pas plus de blabla que ça. Et on se retrouve ce soir en live. Ou ce soir pour une nouvelle vidéo. Et ouais, mec. Ciao, ciao. Le Foubriteur, abonne-toi à la chaîne du Foubriteur.